Azir, Kuma Ibe la Papa, Kuma Mara Yonzame, Mama Masia, Kuma Ibe la Papa, Kuma Mara
Vraiment, oui, bongi na biso to ka liloba na Nzambe. Lelo ezaka mokolo ya ebandeli. Oh na bangala ta musuba lelo ezaka mokolo ya kotisa. Ba kotisa biso ka na eloko yango. Lobi lobi kuna nde makambo yo kobanda. Kola pambo la biso. Bongi to ka liloba na Nzambe. Vraiment, zala a l'aise. Nzambe akote ayo kitoko. Amen. Nous allons louer pour Abomoko. Pour ce qui est de l'Umunde. Nous allons louer pour Abomoko. Louer pour Abomoko, tu peux se faire 4 minutes. Ce qui est de l'Umunde, il y a 4 minutes à Kati. Il y a un peu de l'Olonzo, il y a un peu de l'Olonzo, il y a un peu de l'Olonzo. 4 égale 4, 5 T. Jésus. Shalom l'église. Shalom. Shalom. J'appelle mon frère Didier Mavungu. Et c'est Gazar Boya et Banana ensemble. Simbanga, Kambanga, Montindo Yolindi. Sokoti ki bomo inanga, moko na kamba, nato kufa pwete na zangi moninga malamu. Oya limba kanda iteo, mibalele ki moko nama. Lamuwe, aleluya. Motino yo liki Soko tiki bomo inakai Moko na kaba Nako kufa kwete Nazaki monika malamu Koya lemba kata iteo Mipalele ki moko na ma Lamuwe Malamoe,
Identité à vie à Moutou a utilisé puissamment mon sali naïe Sambela na Congo la Jésus Christ. Colo, attends, vous avez mis Tiki dans ma coco d'ailleurs et t'es au coca à côté en la de l'Obanayo. Disposé naï Yahweh, et la moko mouye pour lui malam. Tu inanga ipo na koyoka piko susula motema nanga po na koyanga piko bikela fungola mayele nanga ikolo koyete na susula liloba na yo merci koyete yondo za zambe molobi malamu epa na yonde maloba ya kitoko ezali yo za plus que neftali loba kolo na kombo na yo kolo mokonzi te mobikisi na biso Jesu Kristo utilize mosali na yo puissamment. Pour être masse comme ma carte,
et à la belle Oyo et le Bio Yahweh. Dans le combat de Jésus-Christ et le Bio, Amen. 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 Souhaitez la bonne année, bon appétit. Ok. Mettez la ligne au banzabé, ma boque, ma classe. Voilà. Toujours que le Missa, mon salut dans Zambé, bien-aimé. Alingaka, Sepelaka, Bongo, Makasi, Babenga, et bien aimés frères, Medar, Kiala, Kimbe. A vous, Pele, ma pour la côté Abisso. Et le roi, Mokongo, Likota, Frère Abisso, Jonas, Karibou.
qui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Un salut éternel, Kengo Buzunanga, Pese Ngonanga, Yesu Ngaina. Que Jésus-Christ soit glorifié en tout. Donc on mette là Jésus-Christ au maboko, donc on dit mon ennemi au hasard du colon à l'autre. Nous allons clamer à l'honneur. Tu es les dieux grâce de pitié miséricorde puissant. Qui au-dessus de tout. Vous allez saper la bombe au colon à qui pour Jésus-Christ. Amen. Et longa na solo zambé na bomoy. La véritable victoire, le Dieu vivant. Oui, zambé azali o mérité lo kumu pe masanjoli. Les seigneurs méritent l'honneur et les acclamations. Oyo bayembela bikeke na bikeke zambé. Celui pour qui on a chanté de génération en génération, c'est lui. Parce qu'azamolongi. Parce qu'il est un grand vainqueur. Ce qui t'aujourd'hui, mon colonel Elo, il y a le 23 décembre 2021. Si nous avons reçu le jour d'aujourd'hui, le 23 décembre 2021, ils allaient par la grâce de Dieu. Ils allaient n'engolir en Zambé. Et tous allaient qu'aujourd'hui, c'est le Kumunanios. Et nous lui rendons l'honneur en toutes choses. Parce que Moto Abongisaka, Mabongisibele, Namote Manae. Parce qu'il se forme plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Mais Oye Kokisamaka et Zalakande, Oye Utake Banzambe. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui Tobongisaki Pitomoni Angwe Salemi. Si nous avions préparé nos programmes et nous les avions vus se réaliser. Et l'Inkolobate Ketosa quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous sommes quelque chose. Mais Bolingo Yanzambe Ndes. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions atteindre le jour d'aujourd'hui. Et enseignement pendant 4 jours. Et nous avons nos 4 jours d'enseignement. Au bandalelo le 23. À partir d'aujourd'hui le 23. Et le 26. Dimanche, les après-midi, toujours à 15h30. Jusqu'au dimanche, le 26, les après-midi. Naemi kote à terre. Je ne sais pas enseigner. Mote yoa ebi mite manabatouzan de Jésus-Christ. Celui qui connaît le cœur des gens, c'est Jésus-Christ. Yeo yazali solution na kataba problème na biso. C'est lui qui est la solution dans tous nos problèmes. Nous nous réjouissons, nous asseoir et l'écouter. Nous sommes comme le prédicateur. Le prédicateur véritable, c'est lui. C'est pourquoi tout en nous aimons lui rendre tout cet honneur. Parce qu'ils ont mérité. Parce qu'il le mérite. Le soleil, le vent, soleil couchant, il y a des photos comme ça. Depuis que tu as vu le jour, c'est lui qui avait donné accès que tu vois ce jour. Et même les années que tu as, c'est toujours lui le Dieu vivant. Si on te raconte l'histoire de moi immortel, tu vas me rejeter moi immortel. Mais si le Seigneur me regarde, il ne va pas regarder ma petite vie, mais il va regarder ses programmes avant la fondation. De la même manière telle que tu es là. Le Seigneur t'aime tel que tu es. C'est lui qui va te préparer pour le bon sœur. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te fera irrépréhensible. Et c'est pourquoi tu peux ça
C'est pourquoi nous lui rendons honneur en toutes choses. Jésus. J'aime Jésus parce qu'il est amour. Là où nous les hommes ne sont pas parvenus. C'est lui qui était venu le faire sans aucun intérêt. Il avait plus d'abandonner sa forme de Dieu et de venir sur lui. Parce que le Seigneur n'a pas abandonné son trône. Quand il était sur la terre, il était toujours celui qui était avant qu'il ne vienne. Nous allons le voir parce que notre thème est qui est Jésus-Christ. Cela est très important. Et c'est pourquoi nous allons prendre l'écriture qui est sur nos affiches. Ce qui osa très attentif na kat na kolanda zamba ko sala makamwa minene na kat na yo. Si tu es très attentif à la parole, le Seigneur fera de merveilles dans ta vie. L'incommélui dans l'air détresse. L'écriture dit na kat ya papa sina bango. Il criait à l'Éternel. Ma belle la ki na Yahweh. L'Éternel leur envoya sa propre parole. Yahweh. Et la parole est guérir. Et la parole les guérit. Donc la parole est piquissante. Donc la parole guérit, bien aimé. Donc tant aux gens dans la parole, lorsque tu suis la parole, il y a que parole en azan les cambazo ça en katina. Sache que la parole a une chose qu'il est en train de faire en toi. Topesa qui l'icomi na Matthieu 16 tout autant qu'à yango toperemi. Nous allons lire Matthieu chapitre 16. Donc on a même le verset 13e, titre qu'elle est le verset 19e, même le verset 18. Le verset 13 au verset 18. Jésus, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Jésus, kokoma na mboka ya Césarée ya ba Philippe. Demanda à ses disciples. Atunaki na ba ekolina ye. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Elia. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous? L'air dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Que Dieu bénisse les lectures. Amen. Nous nous rasseyons. Et tant que Dieu a béni la lecture, cela veut dire à expliquer bisoli kanisio à bombaki. Lorsque nous parlons de la bénédiction de l'écriture, c'est Dieu nous expliquer la pensée qui est dans l'écriture. Toza liboso na biso na makomami oyo communément to benga kabiso nyonso la Bible. Nous avons devant nous les écritures que nous appelons communément la Bible. Et tu es dit que Esa partout, va tenir ce bazar. Et nous savons que cette Bible se retrouve partout. Mais il faut naoye ba ke kata na Bible oyo. Mais tu dois savoir seulement dans cette Bible. Makambo ebele lobami. Beaucoup de choses ont été dites.
Oyo moto azana besoin azwa lopiko. Que la personne qui a besoin de recevoir le salut. Il voyait pas. Béabikela. Doit savoir et le pratiquer. Soki moto ayebi makambo yo teza na kati. Si quelqu'un ne connaît pas les choses qui sont dans la Bible. Conséquence à besoin. La conséquence qu'il aura. Nazopé ça deux passages. Je donne deux passages. Nazui 2 Pierre chapitre 3e. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 14 à 16. 2 Pierre chapitre 3, le verset 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, Yangoana Balingami. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal avernies tordre les sens. Comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc ce qui Donc si les gens tordent le sens des écritures, bako futama kokende livelo. Ils seront payés en allant en enfer. Donc ceux qui batoba sosoli Bible était, si les gens ne comprennent pas le sens des écritures, batri yango mabe et qu'ils les prêchent mal, conséquence zali, oui. La conséquence c'est la ruine éternelle. C'est si par exemple dans un territoire, en français constitution en boka, il y a ce qu'on appelle en français mobekoli konti. La manière dont les gens doivent être dirigés ou vivre dans ce territoire. Si les gens n'obéissent pas à la constitution qui est donnée par l'État. Nanzela yakobe bisamukanda wana motongo komikuta na nakacho. Et tu peux te retrouver en prison en ne respectant pas la constitution. Batoba mekola kaka véritable Dieu oyazali roi. Il y a toute la terre et les ciels. Les gens n'ont imité que Dieu qui est le véritable roi du ciel et de la terre. Yende a pesa sa parole. C'est lui qui a donné sa parole. Il faut eloko nyonso. Il faut que toute chose. Au sens de la lolenge ye a lopeli yango. Que tu puisses veiller tel que le Seigneur l'a dit. Si tu prends tel que le Seigneur l'a dit. Et que tu la gardes en toi. Alors tu as la vie éternelle. Mais sans besoin de parole terre. Mais si tu ne reçois pas la parole. Et que tu dis des choses qui s'opposent à la parole. Sache que tu ne verras pas non plus le Seigneur. Il n'y a pas de joie que tu dures sur la terre. Mais tu as pour récompense l'enfer dans le tourment éternel. Donc tout le monde sur la terre, si quelqu'un vient à mourir, celui qui se lève pour témoigner en faveur de son ami qui est mort. Avant que nous n'allions par exemple au cimetière. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler du mal de celui qui est mort. Il était un homme de bien.
azala ko résoudre ma bébé na quartier. Il donnait des solutions à beaucoup de problèmes dans le quartier. Et le belinayo monto yango te zamba kotala. Ce ne sont pas dans tes paroles que le Seigneur prendra. Zambe atala kateo batu bazoloba. Le Seigneur ne regarde pas ce que disent les hommes. Ye moko zamba sonda ka le cœur et les reins. Lui-même le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Ayebi moto. Il connaît les profondeurs du cœur de l'homme. Beaucoup de gens peuvent t'acclamer partout. Mais le Seigneur connaît tes profondeurs. Il connaît celui qui va te payer. Lorsqu'on ira te laisser au cimetière, à la croix déjà dans leur, sur la croix, on connaît déjà ce qu'on doit écrire. Rite. Rite. Donc, paiement na kimia. Que ton âme repose en paix. Tu penses que c'est comme ça aussi chez Dieu? Bah, oh, bah, paiement na kimia, les âmes, bah, oh, bah, salé les Yesu. Ceux qui se reposent en paix, ce sont ceux-là qui avaient servi le Seigneur. Sorti au salé les colotes, si tu n'avais pas servi le Seigneur sur la terre, ok, il n'a mis tungi si pour et c'est la essence du Seigneur et Azuka. Tu te rends dans les tourments en attendant les jugements derniers. Bon, avocende na moto. Pour descendre dans le feu. Même si on écrivait que ton âme repose en paix, cela ne veut pas dire que tu te reposes. Si tu n'as pas servi le Seigneur, il ne faut pas croiser cette affaire, bien-aimé. Le jour ici-bas, bien-aimé, pour nous, sont peu nombreux. Bible benga ango, la Bible l'appelle. Eza lokola milinga oyoyo soko fongoli soki mama azali kotoki famai. Donc c'est comme la vapeur lorsqu'on tangwa fongoli. Vous voyez la vapeur qui en sort. Si tu le suis des yeux, vous allez voir disparaître. C'est actuellement vie na bise. C'est actuellement nos jours sur la terre. Tu peux t'arrêter à 80 ans, mais c'est peu, non? Mais les jours qui t'ont préparé au-delà, ce sont des jours nombreux, la vie éternelle. Si tu obéis au Seigneur, tu as la vie éternelle. Si tu avais refusé le Seigneur, c'est la honte aussi éternelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà l'importance ya kolinga koyeba lilakisi. Voilà l'importance de connaître l'enseignement. Zala na souci ya kola musa moto nyonso oyoyo ayebi makamaza mbete aya koyoka. Et le souci de veiller tout celui qui ne connaît pas les choses de Dieu devenir les aimer. Et qu'on zala malamu mingi. Et ce sera une bonne chose. Tozali kokota mena na kati ya likambo na biso qui est Jésus-Christ. Nous entrons maintenant dans notre thème qui est Jésus-Christ. Donc tambola nango malembe malembe lolenge zamba kosunga biso na mikolo mine. Nous allons marcher avec cela petit à petit selon l'assistance du Seigneur. Tozo talisa d'abord que na mabele. Nous montrons d'abord que sur la terre. Yambo biso lelo to banda koloba kombo na Nzambe. Avant que nous puissions nous invoquer le nom du Seigneur. Nzambe oya kela likolo pese. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Azalaki Nzambe ya mutu moko kombo na ye Abraham. Il n'était le Dieu d'une seule personne qui s'appelait Abraham. Donc na mabele mobimba. Donc sur toute la terre. Nzambe azakoya kotala mutu moko. Le Seigneur ne venait visiter qu'une seule personne. Aïe asali mosala. Il vient, il fait son œuvre. Amati. Et puis il rentre. Les chrétiens les auront parce qu'on t'a dit Genèse 12, t'as ma benga qui est. L'écriture nous parle quand le Seigneur avait appelé Abraham. Ok, la Genèse 12, puis ok, même tiens, la Genèse 25, on parle d'Abraham. Genèse 12 jusqu'à 25, on nous parle d'Abraham. Zamba, c'est qui sera Sololi Naye. Le Seigneur était si, il parle à Abraham. Bible le dit, Azalaki commenté au-dessus Naye. La Bible dit Dieu montait au-dessus d'Abraham. Et donc rendez-vous sur la terre, le Seigneur Zaboya pour Abraham. Donc le rendez-vous sur la terre, le Seigneur ne venait que pour Abraham. Maintenant, Zambé, le col à écriture, et bien la caille, Moussalini Beku. Donc, comme l'écriture appelle le Seigneur le législateur, selon Esaïe 33, selon Esaïe 33, na verset 22, au verset 22, l'Ikome Ebisi Bisoboye, l'écriture nous dit ceci.
Car, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel est notre juge. Oui, te yawa zali mosambisi na biso. Tomona yi na jardin d'Eden yaki kosambisa Adam. Nous l'avions vu au jardin d'Eden venir juger Adam. L'Éternel est notre législateur. Yahweh azali po na biso mosambi mibeko. Tomona yi na jardin d'Eden. Nous l'avions vu dans le jardin d'Eden. Aibisi Adama. Il a dit à Adam. Okolia mbuma ya nzete nyonso me oyoyo mbuma ya nzete ya boyemi mabepe malamu. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, kolia yango te. Tu ne le mangeras pas. Sokolei okokufa. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La zamba salimobe. Et là, le Seigneur a légiféré. Yagonde Esaïe béni législateur. C'est pourquoi Esaïe l'a appelé mon salimibeko. L'Éternel est notre roi. Yahweh azali kumu nabiso. C'est lui qui nous sauve. Yende azali kobi kisabiso. Oya bikisaka. Donc c'est lui qui sauve. Sobo moni mobikis. Si tu vois un sauveur. Esaïe a béni éternel. Esaïe l'appelle éternel. Alors, tous au monde d'abord que. Alors, nous voyons, bien aimé. Azali, législateur. Il est le législateur au sein de Dieu. Kasali, mon béko na ya tiango. Et lui-même, s'il édicte sa loi, et personne ne viendra ôter sa loi. De la même manière, il t'a appelé aussi de venir en ces temps. Avant que toi et moi nous puissions exister, il y avait d'autres qui nous avaient précédés sur la terre. Ils étaient aussi passés. Mais nous étions proclamés d'exister en ces temps. Nanani. C'est lui qui fait l'enfant dans le ventre de la mère. Le Dieu vivant. Esaïe 41 le bien qui a proclamé à des générations. Esaïe 41 le bien d'abenga kabi keke. Donc ce qu'on en entend. Donc si tu en ces temps. Esaïe poya linga kiosa. C'est parce que lui l'avait voulu ainsi. Maintenant il faut se sola ponaninga salinga nazarana. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi il a fait que je sois en ces temps. Et là, comme on est né, Bible le dit, la plus grande chose que la Bible dit, dans Ephésiens 1, verset 13, dans Ephésiens 1, le verset 13, Zambé a sali biso poete. Le Seigneur nous a créés afin que nous servions la louange de sa gloire. À partir du verset 12 d'Éphésiens 1. À partir du verset 12 d'Éphésiens 1. Mais il faut que. Mais tu dois comprendre ceci, bien-aimé. Abraham, le Seigneur a pesé l'iloba. Abraham, le Seigneur avait donné la parole. Et en lui donnant la parole. Le Seigneur ne l'avait pas donné à d'autres nations sur la terre. Et d'autres nations étaient là, restées en train de servir des idoles. Mais la maison d'Abraham, maison d'Isaac, maison de Jacob ou d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle maison d'Isaac, de Jacob ou d'Israël. Natangi psaume 147. Je lis psaume 147. Je le lis au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit ceci. Verset 19 à 20. Le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Voilà. Donc pour la parole, après ça, quand on va tenir sur terre, le Seigneur ne l'avait pas donné à tout le monde. Après ça, quand on libote à Israël, le Seigneur ne l'avait donné qu'au peuple d'Israël. Libote à Wanande, et c'est ce peuple-là. Zamba komisaki yango mwananaye. Et c'était ce peuple-là que le Seigneur avait adopté, le faire son fils. Son conduit. Exode 4, verset 22. En prenant Exode 4, le verset 22, l'Écriture de Dieu nous dit, Exode 4, Exode 4, verset 22, le verset 22. Tous autant à Yangon à combattre Jésus-Christ. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Qui dira à Pharaon? Yoko Ebisaka Falo. Ainsi parle l'Éternel. Oye Elobi Yahweh. Israël est mon fils. Isale Lazali Mwanangamo Bani.
mon premier-né. Israël, Bazalaki, ainsi que Ébélé. Israël, nombreux en Égypte. Mais Ébélé, nous sommes dans la fils naïe. Mais toute cette multitude formait un seul fils de Dieu. Fils de l'Éternel. Moi, na mobali na Yahweh. Nous allons la voir. Amen. Israël, Azalaki, fils de l'Éternel, fils de Dieu. Israël était fils de l'Éternel, de Dieu lui-même. Oh, et ça, là, quand mon toit, Zala, moi, Nazambé, Zandé, parole de Dieu. Ce qui fait que quelqu'un soit fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le fait qu'Azwaki, Lilobana, Pesa, Kibango. Le fait qu'il avait pris sa parole et leur a donné. Abenda, Bango, Nyon, son fils de Dieu. Il leur avait tous appelé comme son fils. Donc il est un parent. Donc lui comme le père. Il faut qu'il vienne dans tout un visage. Parce que l'Éternel c'est le père d'Israël. Parce que l'Éternel c'est le père d'Israël. Papa croyait beaucoup dans la moine en Isa ma bête. Un père venir visiter son fils n'est pas mauvais. Pas à moine en Isa. Parce que c'est son fils. C'est pourquoi tu verras, lorsqu'ils étaient dans la servitude, Zambé a visité Kabango. Le Seigneur était venu le visiter par Moïse. Nanzela na Mose. A tamboli na bango. Il a marché avec eux. Même celui dans ce lissime. Même si je recule un peu. Abraham aussi. Abraham de même. Abenamaki, prince de Dieu. Il était aussi appelé prince de Dieu. Supposé Genèse 23. En prenant Genèse 23. Verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Tango et Sengelaki akunda moi sinaye Sarah Tanakoufa. Lorsqu'il fallait qu'il puisse enterrer sa femme Sarah. Il voulait acheter un champ pour enterrer sa femme. Mais ceux qui étaient comme des autochtones, ils lui ont dit, nous ne te vendrons pas la terre. Toi tu es moi le prince de Dieu. Donc Abraham Azalaki, moi Nazambi. Donc Abraham était le fils de Dieu. Et les restes des nations savaient qu'il n'était pas le fils de Dieu. Pourquoi? La parole est avec Abraham. Parce que la parole de Dieu n'était qu'avec Abraham. Et postérité n'a épé. Et sa postérité. Aussi Isaac. Vous prenez Isaac. Aussi Jacob. Vous prenez Jacob. Azalaki, fils de l'Éternel. Ils étaient le fils de l'Éternel. Étant parent. Il faut la responsabilité de son fils. Il faut qu'il vienne prendre la responsabilité de son fils. C'est pourquoi nous avons des écritures. Papa na Abraham. Ou le père d'Abraham. Éternel créateur du ciel et de la terre. Qui est l'éternel créateur du ciel et de la terre. Papa. Lorsque nous parlons du père. C'est la manière dont Nzambe a adopté. Le Seigneur adopte. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, naza, moi, nana, yote. Donc, l'enfant n'est pas le tien. Mais au talié. Mais tu le regardes. Azali ko mérite l'ogote. Il ne méritait non plus rien. Mais au sepeli au soyo kote na buku na yo yaban. Mais il te plaît seulement de les prendre, de les faire entrer dans la liste de tes enfants. Adoption. Et c'est ce qu'on appelle l'adoption. A komi na trois ya fils. Et il a maintenant le droit du fils. Ce qui, ndakouana kombonez alaki, makengo. Si cette maison-là, la famille, c'était makengo. Wana wana bazuye alati kombo makengo. Et comme wana vraiment ya papa wana selon la loi. Et cet enfant-là est adopté et porte le nom de ses papas-là selon la loi. Et yamonde salema. Et c'est ce qui s'est passé. Lolenge moko zambe na mabele. De la même manière, le Seigneur sur la terre. Mwana naye d'abord ezalaki Adam. Son fils vraiment c'était Adam le premier. Les premiers. Adam le premier. Mais lokola tosa ki te. Mais comme cet Adam akwei, il est tombé. Zamba bwakaka. Le Seigneur l'avait rejeté. Mais bwakaka na elaka. Mais il l'avait rejeté avec une promesse. Mais toi ça la mabongisa ya kozikola lipota ya Adam. Mais pour préparer des plans en vue du rachat d'Adam. Et c'est elle qui a dit manakata bato ya bwaki azwaka kamoko akomaneti mwana oyayi. Il fallait qu'il accepte parmi les gens qu'il a rejetés d'adopter un enfant pour le faire. Yambo adopta Abraham. C'est pourquoi il avait adopté Abraham. Abraham azalaki enfant fils adoptif de l'Éternel. Abraham était le fils adoptif de l'Éternel. Donc abengamaki prince de Dieu. Ebamaki mwana ya Nzambe. Donc d'autres sur la terre étaient les fils des hommes. Mais Abraham Il était le fils
Et moni na Genèse 18. Et nous avons vu dans Genèse 18. L'Éternel aye nandako Abraham. L'Éternel est venu dans la maison d'Abraham. Mais aye comme un homme. Mais il est venu comme un homme. Moutouboye. Un homme. Parce que moutoubso gomitouna. Est-ce que? Parce que quelqu'un peut se poser la question. Nzambe pe. Est-ce que Dieu aussi? Amonana. Il se voit. Amonanaka epaya ba oyaye. Il se voit, il se fait voir chez le sien. Soka lingi ayakotara ayakotara. S'il veut te visiter, il le fera. Lokola na Genèse 18. Comme dans Genèse 18. Même dans Genèse 14. Même dans Genèse 14. Ayakotala Abraham na forme ya mutu. Il était venu visiter Abraham sous forme humaine. Nazo zwa boye pona tozala na facilité tant qu'on yakokoma na. Qui est Christ Jésus? Je prends tout cela pour que nous ayons la facilité de comprendre qui est le Christ Jésus. Totali Genèse 18. Nous remarquons dans Genèse 18. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Tozo tanga yango. Nous les lisons. Na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Yahweh Abimelaki est katikati yabanzete yaboka Mamré. Donc il commet bisibzote Yahweh wa mona nakate. L'Écriture nous dit que le Yahweh l'Éternel qui est invisible. Awa mona nakate. Ici il s'était fait visible. A mona nakate ni. Comment est-ce qu'il s'était fait visible? Abimelaki moto. Il apparut comme un homme. Mais ça éternel. Mais c'était l'Éternel. Il a mangé et puis il a demeuré dans la maison d'Abraham. Mais si même tu étais dans, tu verras seulement quelques papas venir visiter Abraham. Et puis tu passes. Parce qu'il ne t'a pas donné les yeux de voir. C'est seulement Abraham qui avait compris. Parmi ces trois personnes qui sont venues. Éternel. L'une d'elles, c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Il dit ici dans l'Écriture, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant le jalon du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. On ne se prosterne que devant un seul Dieu. Israël, Israël, l'Éternel Dieu. Yahweh Zambé, il est ton Dieu. Bon, on ne se prosterne que devant le Dieu. Ah, d'abord, tu as un témoignage. Ici, nous avons le témoignage que Zambé a créé les cieux et la terre. Atambola na certa na Abraham. Il a marché sur la terre pour visiter Abraham. Maintenant, il avait donné une promesse du temps du prophète. Dans Esaïe 8, dans Esaïe 8, verset 14. Le verset 14. Nous avons nos quatre jours et je sais que le Seigneur va nous assister. Il faut d'abord avancer dans Esaïe 8, 14. Avant d'abord de lire Esaïe 8, 14. Dans un temps maintenant, Deutéronome 32, verset 39. Je lirai d'abord Deutéronome 32, le verset 39. Le témoignage Zambé et Moko. Écoutons le témoignage de Dieu lui-même. Voilà Zambé à quel Nicolas Pesa Zolo. Là, celui qui a créé les cieux et la terre. Dans Deutéronome 32, 39. En Deutéronome 32, 39. Nous lisons nom de Jésus. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Tu crois ainsi? Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il a dit, sachez que c'est moi qui suis Dieu, moi l'Éternel. Dieu près de moi.
en a point. J'aimerais que vous saisissiez cette parole. Il n'y a point de Dieu près de lui. Il n'existe pas ce Dieu-là. Mais quelqu'un peut souffrir. Je suis à la droite du Père. Et on marche seulement avec cette écriture de Deutéronome. Mais si nous comprenons, mais il ne faut pas écrire ma soin à la tête. Mais tu dois savoir comment les rassembler parce que les écritures ne se querellent pas. Maintenant, on vient voir dans Ésaïe 8. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Dans Ésaïe 8. Dans Ésaïe 8. Le Seigneur a Zorobaboué. Le Seigneur est en train de dire ceci. Nakati à Ésaïe. Dans la bouche du prophète Ésaïe. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nabandi dans verset 13. Verset 13. Ésaïe 8. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ésaïe Yahweh na bibelende segelimo santi ça. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Yende segelimo banga ubanga pesa makasi. Bola na mena Éternel loin. Écoutez l'Éternel. Mena verset 14. Le verset 14. Et il sera un sanctuaire. Yahweh wana akosalaka. Donc Yahweh, donc le Dieu invisible, mais dans l'avenir, dans les siècles à venir, il viendra comme sanctuaire. Yahweh, donc le Dieu invisible, mais vous le verrez sur la terre, mais il sera le temple, le sanctuaire de Dieu. Il sera à Kosalaka. Amen. Il sera un sanctuaire à Kosalaka ndako mosala tambe. Mais aussi une pierre d'achoppe. Asi à Kosalaka pe libanga libaku. Yahweh wanatanga koya. Donc c'est Dieu là lorsqu'il viendra. À Kosalaka libanga libaku. Il sera une pierre d'achoppe. Ora batongi bakobwaka. Que les bâtisseurs vont rejeter. Pe bakobeta libaku bakoyi. Et vont se heurter et se briser. Et Kosalaka Yahweh. Ce sera l'Éternel lui-même. Un rocher de scandale. Libanga monene ya liba. Pour les deux maisons d'Israël. Pour la banda kumi balaya Israël. Un filet et un piège. Monyama pe motamu. Pour les habitants de Jérusalem. Pour la bafandi ya Jérusalem. Mais les solos yoyoya zamba kwenye ti maison. Maintenant, cette prophétie de Dieu qui viendra comme un sanctuaire. Donc, il faut dire ça parce que et le moment que les gens attendent. Il faut dire aux gens qu'il était déjà bien dans le passé. Yahweh, créateur des cieux et de la terre. Il vient. Et vous le verrez visiblement comme les temples. Maintenant, il dit ceci. Plusieurs trébucheront. Verset 15 et 8. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. Sois cette révélation. Donc c'était une révélation. Mais celle-là. Donc tous les gens ne vont pas comprendre quand il vient comme un sanctuaire. C'est lui. Mais où est-ce qu'il sera? C'est cette révélation. Bomba et mon iselio. Parmi mes disciples. Katikati abaye kolinangai. L'Éternel comme une maison. Yahweh le colanako. Avant ça, parmi les disciples. Il sera parmi les disciples. Là, Esaïe a son à venir. Là, Esaïe voit les choses à venir. Basakoli Nikoloya Yahweh. On a prophétisé sur l'Éternel. Et Kakuya. Et qu'il viendra. Mais à cause de la une maison. Mais il sera un sanctuaire, les temples. À cause de la paix, un rocher et un scandale. À cause de la paix, l'Ipanga et l'Ipaku. Nan. Qui? Yahweh. L'Éternel lui-même. Mais ebele bako kweya. Et plusieurs bako tout à l'heure. Trébucheront et tomberont. Yamon zamba et misaki nga nan zambe moko. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à un sacrificateur. Comment naïe Siméon. Et il s'appelait Siméon. Nalikite. Dans Luc chapitre 2. Alobi okokufate. Il a dit tu ne mourras point. Ti okomona les sali.
Maintenant, écoute le nom qu'on lui donne. Sali. Lopiko. Jusqu'à ce qu'il verra le sali. Mais le Seigneur l'avait promis de voir les saluts. Ce jour-là n'était pas son jour de service selon les classes. Quand Marie na Joseph bazo matana temple na Jésus na mabo. Lorsque Joseph et Marie montaient au temple avec Jésus en main, lokola zamba ebisaka ye déjà, comme le Seigneur lui avait déjà dit bien avant, à avertir divine. Le Seigneur l'a averti de manière divine. Parani. Pourquoi? Aya komona sali. Qu'il vienne voir les saluts manifestés. Tawaye, lorsqu'il est venu, Amoni Moana, il a vu l'enfant. Abi, Moana oyoye. Il a dit cet enfant. Yende a kozala pona chute ebele. C'est lui qui sera pour, il sera la chute de Pilate. Simeon a pris le texte des Aïwit. Simeon a pris le texte des Aïwit. L'Éternel a kozala la pierre d'achoppement. Yahweh a kozala libanga libaku. Ottawa Simbi, Luc 2. Luc chapitre 2. Ma question, Batoubazan, par la grâce de Dieu, tu peux répondre à moi. Nous répondrons aux questions que les gens ont par la grâce du Seigneur. Et donc, tambo la malembe, malembe. Mais nous allons marcher petit à petit. Par la grâce de Dieu. N'angolui en Zambé. Dans Luc 2. Luc chapitre 2. L'écriture est le Bible à partir du verset 25. Le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et dans les qui Jérusalem, moko na kombo ya Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. On vient consoler ceux qui sont dans le malheur. Ceux qui sont dans le pleur. Et nos pleurs, c'était la mort qui était entrée par Adam le premier. Mais il fallait que nous soyons consolés. Et l'Esprit Saint était sur lui. Sur Siméon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ordonner la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, qui laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, on est le moment qui toque. Là, c'était un signe merveilleux. Azali comme salut. Azali comme la lobby comme Obimba. Yewanande. C'est lui là. Oyo Azali qui annoncé comme la maison et c'est elle qui était annoncé comme le sanctuaire ou le temple qui devait venir. Un jour, Najande. Un jour, dans Jean chapitre 2. Azali Bissa. Il dit. Akuti bate qui pigeon. Il a trouvé les vendeurs de pigeons. Abandi qu'on renversait ma table là-bas. Il a commencé à renverser la table. Nous sommes les significatifs, mais bien que nous sommes tous dans la table. Tout cela est significatif, mais nous allons le dire à la maison. Mais ah, toujours d'une manière évangélique. Ici, nous parlons d'une manière évangélique. Et tant à Betty Bangalore,
chasser ma maison et vous allez appeler la maison de prière. Et lorsqu'il les a chassés, il a dit ndako na leko tenga mandako ya losa. Et bino bozo sal ko komisi ngo comme caverne de voleurs. Et vous en faites une caverne des voleurs. Et aibisi bango. Et il leur a dit verset 19. Le verset 19. Jésus leur répondit. Yeso ya noli bango. Détruisez ces temples. Et en trois jours, j'ai rêvé. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est lui-là dont tu avais parlé, Zayouit. L'Éternel a quoi comme temple. Le Seigneur, l'Éternel viendra comme un temple, un sanctuaire. À cause de un rocher à scandale, l'Éternel. L'Éternel sera un rocher de scandale. Et Dieu bénisse. Amen. Il faut croire ma boye. Il faut savoir ceci, bien-aimé. Que Israël. Qu'Israël. C'est à lui que le Seigneur avait remis la parole. À joie qui par commandement aux hommes qui la montagne à Sinaï. Il avait reçu le commandement donné sur la montagne. Premier commandement. Le premier commandement. Baposakango Jésus paya un docteur de la loi na Marc 12. Un docteur de la loi l'avait interrogé à Jésus-Christ. A posa qui Jésus question. Il avait posé à Jésus cette question. À partir du verset 28 inscrit. À partir du verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un des scribes. Marc 12, verset 28 à 31. Marc 12, le verset 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Marc 12, verset 28. S'approcha et lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements? On a posé Jésus question. Là on a interrogé Jésus Christ. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. Et l'unique Seigneur. Ma Seigneur, ma Sagami Balete. Il n'y a pas deux Seigneurs. Soko Bengi Jésus Christ Seigneur. Si tu appelles Jésus Christ Seigneur, premier commandement le dit que l'Éternel est l'unique Seigneur. Le premier commandement dit que l'Éternel c'est lui l'unique Seigneur. Alors il dit notre Dieu l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je m'arrête au verset 30. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit. L'Éternel, Yahweh, notre Dieu est l'unique Seigneur. Toi qui dis qu'il y a trois dieux. Seigneur Jésus-Christ. Et tu pries en disant Kolo Jésus-Christ. C'est bon, Seigneur Père. C'est que tu vas dire Seigneur Père. Après Seigneur Saint-Esprit. Après Seigneur Molimo Saint. Israël a la loi de Dieu. Israël a ce qui n'a pas de quoi. Et dans la loi de Dieu, Dieu est l'unique Seigneur. Et tant que Bazos a un livre et un prophète, et lorsqu'ils ont avec eux le livre de prophète, tant que Bazos a l'icône à Zambé, et Esaïe, en lisant les écritures de Dieu comme dans le livre de Esaïe 35, je prends Esaïe 35, verset 3, le verset 3. Na verset 4. Et le verset 4. Fortifiez les mains languissantes. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage.
Ne craignez point. Voici votre Dieu. Dieu, c'est lui, Seigneur. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Amen. Donc, le Dieu là viendra lui-même. Mais à cause de la sauver. Comment tu reconnaîtras que ce Dieu-là est venu? Bon. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boîtiers sauteront comme un cerf. Et la langue du miel éclatera de joie. Donc, quand Dieu accueillera Yemoko, lorsque l'Éternel viendra lui-même, parce que déjà la kaki. Déjà promis, il viendra comme le sanctuaire. Akoya comme une pierre d'achoppement. D'autant que le libanga libaku. On parle de la pierre d'achoppement. Eli koloba. Cela veut dire. Batomususu bakoso solayete. Cela veut dire d'autres personnes ne vont pas le comprendre. Parisien. Par exemple les pharisiens. Les sadducéens. Les sadducéens. Na bakosusu bakoraki motema. Et d'autres qui avaient fermé leur cœur. Bakoso solayete. Ils ne l'avaient pas. Yawaza qui était libanga ya libaku. C'est pourquoi il était comme la pierre d'achoppement. Mais Isaïe le dit. Et vous allez Yahweh vous a dit que Ngai Moko na koya neti sanctuaire. Atindi ba disciple na ye. Il a envoyé ses disciples. À partir du verset 2. Jean, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean ayant entendu parler de sa prison. Yohani a yuka kiko lobela Yesu buta bolo bazalaki. Des œuvres de Christ. Na misala ya Christo. Lui fit dire par ses disciples. Ah. Tindela qui est sous la maloba, maloba, n'a-t-elle pas écolé? La commune a versé 3e en Matthieu 11. Es-tu celui qui doit venir? Aux alimos et Sengeli Aya. Où devons-nous en entendre un autre? Sengeli, tout cela, Moussousou. Jésus leur répondit. Yesu ya noli bango. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ok, ne komemela Yohani, oyo bozo yo kapi, oyo bozo mona. Jésus a su Esaïe 35. Jésus a pris Esaïe 35. Les aveugles les voient. Balolanda bazo mona. Les boîtiers marchent. Bazo les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée au peuple. Parce que lorsque votre Dieu viendra lui-même, vous les reconnaîtrez. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Le boîtier marchant. C'est pourquoi lorsqu'on lui a posé la question, elle a dit, oye, vous savez, Jean, allez rapporter ce que vous voyez et entendez. Amen. Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est Alisaka, c'est qu'on adore. Zambé Zali, Oyo Bakumba Melaka, Toba Sambelaka. Nakende Malembe Malembe. Que j'aille petit à petit. Dieu est Alisaka, Obazo Umba Mel. Le Seigneur, c'est celui qu'on adore. Monsieur Moussousou, Awoki Kosoba Nzete Nazamba. Une autre personne peut acheter. Kati Nzete Mune. Et couper le bois à la forêt. Akati Kati Angwa Kokola Melango Pondu. Et puis. Le bois pour préparer du bois. Et avec le même bois, il sculpte son idole. Après, a commis ce qui et puis il fait de cette idole comme Dieu. Et puis la cache la chambre. Au lieu que ce Dieu-là le protège, c'est lui qui le protège dans sa chambre. Et puis il commence à se prosterner devant son bois. Et il n'aurait pas pu voir son petit Dieu. Autour de la hanche. Il respecte beaucoup son Dieu autour de la hanche. Mais si son Dieu entre seulement dans l'eau comme et ça, c'est ce qui vous dit. Ou bien si notre personne voit son Dieu, c'est fini pour lui. Donc c'est qu'on adore. Et ça dit où est-ce que vous avez dit? Maintenant Israël. Maintenant
d'Israël. Il adorait le Dieu qui est l'Éternel. L'Éternel qui n'a pas de début ni fin. Dieu d'Israël. Et c'était lui qui était le Dieu d'Israël. Il ne se prosternait pas devant les idoles. Vous voyez vraiment la différence? Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tu vas remarquer que Israël, Israël bien-aimé, si Israël a tellement la qui est sur la terre, si Israël s'était opposé à Jésus en ces temps-là, et ça l'a engagé à Ponga na Yotobika, c'était seulement pour que toi et moi nous soyons sauvés. Parce que sur la tellement la qui était moyen peu mobile à un engagement la vie sur la terre. Parce qu's'il n'était pas opposé à lui, il n'y aurait plus moyen que le mari vienne de notre côté. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, c'est-à-dire tu vas remarquer pour que j'aille finir pour remarquer, vous allez remarquer que Zambé sokotangi na kati ya basakoli, si tu lis Dieu dans les livres des prophètes, misala ebele, il a beaucoup d'attributs. Yemoko azaleti nganga Zambé monene, lui-même il est comme souverain sacrificateur. Yahweh yemoko azakom ebandeli pisuka, lui-même il est comme Alpha et Omega. Donc Alpha Omega c'est l'Éternel. Alpha et Omega c'est l'Éternel lui-même. Vous pouvez savoir écrire en go. Nous allons donner ces écritures. Yemoko azaleti l'Éternel ning totanga kiango. Et lui-même il est comme législateur comme nous l'avions lu. Yemoko azale roche, vous pouvez s'écrire en go aussi. Na Isaïe 44 verset 8e. Et c'est lui qui mérite qu'on puisse se prosterner devant lui. Yango, tangu ange, kaka simple ange azoya kopé sa message. Lorsqu'un simple ange vient apporter le message, tangu Jean il a ma fuka melaye. Lorsque Jean voulait se prosterner pour l'adorer, ange wana lobela ki Jean. Qu'est-ce que cet ange avait dit à Jean? Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22. Allo Biboye. Il a dit ceci. Non, 19, verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Donc, Jean l'ingaka fou comme l'ange. Donc Jean voulait se prosterner devant l'ange. L'ange a dit non, non, non. Jean, l'ange, tu ne peux pas le faire. Jésus, le compagnon de service, est celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Bagumba melagande Zambé. On ne se prosterne que devant Dieu. Maintenant, totali na Matthieu 28. Maintenant, lisons Matthieu 28. On ne se prosterne que devant Dieu. Parce que Dieu veut dire celui devant qui nous nous prosternons ou nous. Maintenant, où Jésus a maintenant, lorsque Jésus voulait être enlevé, Matthieu 28. Nous prenons Matthieu 28. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Oui. N'attaquez un mot par la grâce de Dieu. Je le lis au nom par la grâce de Jésus-Christ. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Et talaye ce qui kokuta na bango. Et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds. On attend la goutte à la basse. Tokéina verset 16. Le verset 16. 16, Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il les vit, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quand on va se prosterner devant Jésus, lorsque tu le vois se prosterner devant Jésus, donc Dieu veut dire ce qu'on adore. Donc, Jésus, place-moi le Jésus est Dieu.
ça. Cet endroit-là, cela veut dire que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Quelques questions, maître Zagana. Quelques questions que les gens se posent. Alors, s'il était Dieu, qui est-ce qu'il priait? Mais bisous, nous avons ma combine biblique. Nous avons des écrits dans la Bible. Yahweh est mon quasi. L'Éternel en train de se prier lui-même. Tant Moïse a sengaki à mon âme. Lorsque Moïse avait demandé de voir sa gloire, Moïse, il a dit à Moïse, parce que la gloire de Dieu ne veut dire que sa face. Jésus, c'est pourquoi Jésus avait dit, jour Philippe, le jour Philippe lui avait dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Dali Sabi son tata Péwane Koki. Allez Philippe. Philippe. Depuis longtemps. Lorsque Moïse avait besoin de voir la face de Dieu, le Seigneur a dit dans Exode 33, le Seigneur avait dit dans Exode 33, a dit personne ne peut voir ma gloire et ma face vivre. On te comment le habiter. Dans les traits à rocher. Je mettrai ma main pour te couvrir. Je passerai pour proclamer mon propre nom. Alors, tu te tourmentes quand tu vois Jésus prier le Père, alors Dieu priait Dieu dans l'ombre. Jean 3 est le livre. Jean 3 dit ceci. Verset 12. Le verset 12. Alors, il dit Jean 3. Oh, Jésus, quand Jésus était en train d'aller jouer, qui parle encore là-bas dans les cieux? Réponse aux gens dans la Bible 4. Tu auras toujours la réponse dans ta Bible. Jean 3, 12. Jean 3, 12. Alors, Bible. Il dit ceci. Dans le verset 13, pour la Guénébam. Je prends le verset 13 pour aller vite. Personne n'est monté au ciel. Monte mon côté à matin. Si ce n'est celui qui est dans les descendus du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc, avant celui qui se passe, on est Nicodème. Hein? Ici, il dit à Nicodème. Au verset 13. Au verset 13. Donc, Nicodème, on est au salaire. Nicodème, tu vois comme nous sommes là. Ouais, ça, Nicolo. Celui qui est là-bas au ciel. C'est moi encore le Fils de l'homme. Dans ton nom, verset 13. C'est ça qu'il dit au verset 13. Amen. Le Fils de l'homme qui est descendu. Moi, dans mon Dieu, qui dit. C'est lui qui est maintenant dans le ciel. Oui, ça, c'est quoi, qu'on appelle dans Nicolo. Maintenant, bah, tu vas avoir la difficulté. Maintenant, les gens ont la difficulté. Pourquoi il était dit dans la prophétie qu'il est fils de Dieu, moi n'entendais pas. Il faut qu'on y ait baboué. Il faut savoir ceci, bien aimé. Makambonion soya botata na bomingwa botata. Tout ce qui est comme l'héritage du père. Apesa kabomingwa na ye na moana. Il remet son héritage au fils qui est l'héritier. Nzamba ye kusaka Israël ke. Le Seigneur avait appris à Israël. Ya linga kaino koya ya. Lui n'aime que le prémisse ou le premier né. C'est pourquoi il parlait beaucoup des prémices et des premiers. Il voulait nous montrer que sur toute la terre comme nous sommes là, que le premier, c'était Adam. Dans les jardins. Comme il avait tout détruit, il n'y avait plus personne que Dieu pouvait prendre encore comme premier né. Vous suivez attentivement. C'est pourquoi il devait créer une autre manière de venir. Parce que le premier qui était avant, il lui avait donné le moyen, la voie de se multiplier sur la terre. Papa na maman, les pères et la mère vont se
marier, donner des enfants. Tous les gens qui venaient par ces canaux-là, donc leur premier-né c'était Adam. Comme il était tombé, dans le Seigneur n'a plus rien à prendre encore chez ceux de cette descendance. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas venir par l'accouplement de Joseph et Marie. Il fallait qu'il vienne différemment de la parole qu'il avait dit à Adam. Il est par la puissance du Saint-Esprit. Et lui est venu par la puissance du Saint-Esprit. Il est venu de cette façon-là pour paraître comme les temples. Parce qu'il avait déjà annoncé les Aïwites. Parce que le temple veut dire le corps. Alors il a refusé l'accouplement de Joseph et de Marie. Du temps où ils n'étaient même pas non plus ensemble. Alors il était venu pour donner l'enfant ou le fils. Lorsque Jésus est sorti, il est comme le fils. Tu ne peux pas le refuser. Parce que l'héritage, on le lègue à l'héritier. C'est sa fils. Il y a moins de moi dans Zambé. Amen. Donc, à sa fils n'a pas point bébé. À sa moine n'a pas si bébé. Mais il aime que la vie éternelle, il faut y avoir vrai Zambé. Mais sache que la vie éternelle, tu dois connaître le vrai Dieu. Il faut y avoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il faut savoir que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ça, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ensemble là. Bon, Jésus-Christ, c'est lui la parole. Oui, tu y aimes des Liloba. Lui-même avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la répandre moi-même. Et personne ne peut le faire à part lui. Et c'est pourquoi la carte est là. Et c'est pourquoi en toi, bien-aimé, le seul Seigneur. Il faut prier le seul et l'unique. Le seul Dieu. Le seul Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu dois le témoigner, lui le Dieu vivant. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Le roi de rois. Le salut. Solution pour délivrance. C'est lui qui est la solution à notre délivrance. C'est par son chemin que nous avons reçu le pardon. Soit juste. C'est lui qui prend un fou pour les rendre dans notre vie. Il peut prendre une prostituée, la maîtriser, la faire. Il peut prendre quelqu'un que l'État n'arrive pas à maîtriser. Mais le Seigneur le maîtrise. Il peut utile pour la nation. Et il devient utile à la société. Il prend même le meurtrier, les gens qui tuent. Comme des pommes. Lorsqu'il est d'abord Saul, il était un persécuteur. Mais le Seigneur l'a pris. Il a pardonné. C'est seul lui qui a cette capacité. Et les esprits m'ont fait aimer bien. Dieu est grand. Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout.
rocher. Toi qui es la véritable lumière. La chatonion parce qu'aux alimologues. Je te confesse parce que tu es un grand vainqueur. La tatonion parce qu'aux alipicables. Je te confesse parce que tu es le Dieu prodige. La chatonion parce qu'aux alisambénabia. Je te confesse parce que tu es le Dieu de solution. Mon côté à Kokanina, Seigneur. Personne n'était comparable. Mon côté à Kokanina, puissant. Et personne n'était comparable au Dieu puissant. Aux atelements grands. Yosali mon énocoléta. Au salaka makambo motoko. Je fais des choses que les hommes ne parviennent pas à rien. Guyana yo zambe résoudre. Que ta puissance puisse résoudre. Et résoudre les problèmes aux hommes dans mon témoin. Puisse résoudre les problèmes que tu vois dans les cœurs. Nazali ko croire ko zali zambe a bien. Je crois que tu es le Dieu qui exauce la prière. Ko kisabi na kana yo kito. Accomplis tes merveilleuses promesses. Na mikolo nyonso mine tozana. Pendant tous les 4 jours que nous avons. Et Elisabeth et Yondo mema ki mikumba na biso. Qu'il se montre vraiment que c'est toi qui avais porté le fardeau. Et comment il part de maîtriser, nous sommes guéris. Dans ma pipina, on est sur le bico. Tu t'es chargé de nos infirmités et nos maladies. Les châtiments qui t'ont la paix tombés sur toi. Accomplis cela, oh Dieu. À ton nom Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Que tu sois en paix. Que tu vives toujours les prodiges de Dieu. Merci aussi, merci à nous qui répondre à l'invitation. Nous remercions aussi tout celui qui était venu répondre à l'invitation. Ne te lasse pas des 3 jours restants. Sois toujours là parce que les choses merveilleuses t'appartiennent. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci.